Bref, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est qu'on signe jeudi. Bon, je sais pas, j'avoue que personnellement, tant que j'ai pas signé, je sais pas. Bon, on signe jeudi, mais je me dis, il peut se passer tellement de choses. Allô en deux jours. Allô, oui. Là, je t'entends bien. Bah, c'est différent en fait. Mais est-ce que c'est faible? Ah non, c'est pas faible, non. C'est pas faible, c'est différent. C'est moins fort. Mais c'est plus propre en fait. C'est plus détaillé, quoi. La règle était faite, mais oui. Du coup, merci beaucoup pour les sub et resub. Poil au popo, 32 mois, GG pour le logement. Copain Marsouin pour les 11 mois, qui dit GG l'appart. Ah, GG. Et Tark Maniac pour les 17 mois. Ah, mais on entend encore mieux tes oiseaux, du coup. Ah putain, et tout à l'heure, il y a le tram qui est passé. Enfin, le RER. Incroyable. Putain, mais c'est pire que le Blue Yeti, en fait. Ça capte encore mieux que Blue Yeti. En même temps, c'est fort, les avions, les oiseaux. C'est fort, les oiseaux. Pas le plus fort que moi. Hein. C'est pas tard. Ça va être le push to talking, quoi. Ah merde. Salut Zandramou, salut à tous. Et oui, c'est ici, état des lieux. Bah, l'état des lieux, c'est jeudi, mais je vais pouvoir vous raconter tout ça. On va juste lancer les gens sur un call boss, dire bonjour à YouTube. Je sais que t'as pas eu du Isaac depuis trop longtemps, mais on a fait le 100% de Bloodstained. 100% succès en 23 heures. Ou un truc du genre, 24 heures. J'ai pas reçu la photo. Ah non, j'ai pas reçu la photo. Elle est où ta photo? Aujourd'hui, la photo de Skija. Ah oui, ah oui, livré. Oui, non, mais si, en plus, je l'ai reçu. Mais j'avais oublié en fait, il s'est passé beaucoup trop de choses. Notamment la chaleur qui me rend dingo en fait. La chaleur rend fou. Bref, bonsoir à tous, bonsoir Lumsiol, hein, bonsoir, des bisous. Bonsoir Cassiopeia. On va jouer The Lost, hein, parce que là, les 70 degrés, je pense que je vais pas les assumer en fait. Il fait vraiment trop chaud et j'ai pas de ventilo, faudrait que je remette le ventilo. On a un ventilo mais il pue la merde. Faudrait que je le remette quand même. Parce que là c'est compliqué, hein. J'avoue que c'est Bordeaux tiers là. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas streamé dans des conditions pareilles. Vous avez loot l'appart dans quel coin? À Montreuil. On a loot vers Montreuil. Bref, ce sera signé jeudi. Je vais lancer les gens sur un call boss. Parce que c'est la grosse nouvelle. En effet, YouTube, hein, nous allons signer jeudi. Là, on est lundi. On va signer jeudi. Allô. Et déménagement normalement ce week-end. On y croit à mort. Est-ce qu'il y aura la clim dans ton futur appart? Oui, bien sûr. La clim sur Paris, hein. Un grand perk, quelque chose de très important. Allô, oui. Ouais, c'est bon, je suis en push tout seul. Avoue que c'est le dogo qui te rend dingo. Ah non, mais le dogo avec 30 degrés dans l'appart, c'est juste pas faisable. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Bon, allez, on va jouer The Lost. The Lost, on doit être dans les D-Runs, un truc du genre, là. Enfin, je sais plus, on était en mode vachement limite streaking, The Lost, quoi. Depuis le temps qu'on fait des fois des petites sessions, on a toujours pas perdu une run. Bon, là, je vous avoue qu'avec la chaleur, ça va être compliqué. T'as besoin d'un compte de main pour bouger des trucs? Alors normalement non. Normalement c'est bon. Mais merci beaucoup, mais je t'avoue que normalement on est déjà assez, je pense. On est bien. Salut Lilianas, merci beaucoup. Oh le dogo, non le dogo c'est pas possible. Hein. Il est fou en fait. Plus les jours passent, plus il devient taré en fait. C'est parce qu'il sentait que vous étiez pas bien. Il tourne la carafe. Il tourne la carafe le chien. C'est pas possible en fait. La chaleur rend fou, les Espagnols l'ont prouvé. Ça. On a quoi dans ce shop? On a une petite montre. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette montre en vrai? C'est la bonne question. Tu gardes un dogo? Non, je garde pas un dogo. Eterna a acheté un dogo. Du coup, on a un dogo maintenant. Mais je vous avoue que ça va pas pouvoir durer qu'il fasse le con comme ça parce que. Enfin, je peux pas en fait. Je peux pas m'en occuper autant en fait, c'est pas possible. Bon, on m'avait dit, oh ouais, t'inquiète, la journée, il fera rien, il sera dans sa cage, et finalement, je passe mes journées derrière lui. Donc, il a pas de cage, quoi. Ouais, il a une cage, mais il va jamais dedans. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, quoi. Ah! C'est juste pas faisable, quoi. Puis en plus, fallait qu'il y ait la canicule, quoi. Canicule pour les chiens, extraordinaire, quoi. Merci beaucoup, Shinroe. Pour les combien de bits? Attendez, j'arrive pas à voir parce que... Je vais mourir. Mais ils se sont tués tout seuls? J'arrive pas à voir parce que... Il y a 150 plus 100 plus 100 plus 100 ou pas? Ah oui, 550. Merci, nous dit Team Chat. Évidemment, Team Chat. Hein. C'est un bébé, il sera plus calme adulte. Oui, mais adulte, c'est genre dans 10 mois. Je crois que j'ai 10 mois à perdre avec un chiot. Hein. Non. Moi, je voudrais bien qu'il soit calme direct. Et ça existe pas ça les gens qui adoptent des chiens genre déjà calmes? Faut aller au refuge quoi. Ouais voilà.
Ouais, ça aurait été mieux, ça, non? Bah, parce que là, le problème, c'est que gamin, il est chiant, en fait. What about the apartment? We sign jeudi. We sign the buy jeudi. Enfin. Adopte un animal adulte, en fait. Bah oui, non, mais arrêtez de me donner des consignes, moi. Si avec moi, il y aurait rien, en fait. Il y aurait ni chat, ni chien, ni poux, ni quoi que ce soit, en fait. Ça existe dans les bons élevages. Genre, France numéro 1 de l'abandon d'animaux. Ouais, bah ouais. La dernière fois, t'avais dit... Moi, j'aurais été jamais assez con pour le faire, moi. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais je peux pas rien dire, mec. J'étais au fond du stress, j'en peux plus, en fait. J'ai envie de mourir. Les journées passent et j'ai envie de mourir. Tu pars vainqueur alors que... Bah, je pars vainqueur, oui, bah, écoute. De toute façon, voilà. Hein. Si celui-là, on l'a pas, je me tire en Normandie et je reviens jamais. Je retourne à Caen, là, où il fait 20 degrés, et puis je bouge plus jamais de Caen, quoi. De toute ma vie, quoi. T'as aucune idée du comportement qu'il aura adulte. Mais oui, en plus, tu peux totalement foirer son éducation, enfin... En vrai, on n'y connaît rien en chien, quoi. C'est bien beau de lire des trucs sur Internet, mais... En vrai, on n'y connaît rien, quoi. Ça fait 12 ans, il est toujours aussi fou. Tac, 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 tac. Duty rate? C'est ça qu'il fallait call, hein. C'était le blue cap, du coup. Un chien, c'est 10... 10 moins... Hein? Un chien, c'est 10 mois, un gamin, c'est 18 ans, voire plus. Ouais, mais le gamin, c'est différent. Le gamin, déjà, quand tu le fais... Bon, tu peux partir en voulant le faire, tu vois. Genre, oui, tiens, on va faire un enfant. On a envie tous les deux d'un enfant. Là, le problème, c'est que le chien... Il y aurait que moi, il serait encore à Limoges, tu vois. Il serait encore à Limoges en train de manger sa merde. Donc bon. C'est Utinus. C'est Carlitou. Les Normands, vous êtes OK. Comment ça, on est OK, les Normands? Et les meilleurs? Les Normands, c'est les meilleurs. Si. OK. Ok, tiens. Non, vous êtes... Oh, ce skija détaillé, quoi. Ce skija Enhanced Edition. J'espère que vous appréciez, parce que... Ce skija EX. C'est quoi que t'as? C'est un Rode NT USB? Tout à fait. T'as pas pris le pied? Non, pas encore. Donc là, vas-y, tape sur ta table. Ouais. Ah, ça va, en vrai. Tapote avec tes doigts? Ouais, je tape pas fort. Et déjà, en plus, bon, du coup, je suis sur un trépied de type plastique. Ah, ok. Ah, mais il a un trépied, quand même, celui-là. J'ai très peu confiance. Le streamer pro va chahublot. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est pas vegan, ce stream, putain. Ah non, ça, jamais, non. Moi, je suis pas vegan. J'aime bien... Oh, après, j'aime bien la viande, oui et non. J'en mange pas tant que ça. Hein. J'aime bien ça. Mais oui, c'est ce qui j'a. On évite les basses qui déchirent les tympans. Non, ça va, le Rode NT USB a l'air plus cool pour ça. Parce qu'avec le Blue Yeti, là, si tu le poses sur la table et que tu tapotes avec tes doigts comme ça, c'est un enfer. Hein. Mais oui, il a un micro-yep, ça y est, il s'est passé tellement de choses. Bloodstain. Quand on vous avait dit que Bloodstain, c'était vraiment le jeu de la vie. Bloodstain, c'est un appartement, c'est un micro-yep, c'est tout, quoi. Bon, c'est une canicule aussi. J'ai acheté un yep dans pas longtemps. Bloodstain, Iga, il était tellement chaud qu'il a créé la canicule, quoi. Bah si je devais donner une note à Bloodstain, c'est canicule sur 20, quoi. Beaucoup trop chaud. Bah non, parce que tu l'as fini avant la canicule. Bah oui, mais justement, il a déclenché la canicule, il a déclenché l'appartement, il a déclenché tout. Il a tout fait. Tu rentres à Paris demain et tu te lances un défi de manger un 3 plus de piment force 3 avec la canicule. Bon, en vrai, ça change pas grand-chose. Ouais, si tu... En fait... Ouais, voilà, tu vas transpirer, mais genre, c'est si t'avais pris, genre, au-delà de ton... Par exemple, si 4 pour toi, c'est beaucoup trop... Bah genre 4 en canicule, tu meurs en fait. C'est comme si moi je prenais deux, quoi. À peine rentré, déjà en train de gueuler. Le chien fou. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Comment tu vas faire pour déménager le chien? Bah je sais pas. C'est des merdes. Je sais pas, le chien, je sais pas, j'ai pas de solution pour le chien. Ah, dans le cul du camion. Merci Oryu pour les 11 mois, c'est vrai qu'avec la... le Prime, ça continue pas seul. Félicitations pour l'appart. Merci beaucoup pour les 11 mois de Twitch Prime. Et merci à Dark Frost du Isaac. Allez, bisous les brasseurs. Merci beaucoup à vous deux, évidemment. Cheesebrass, Cheesemusics. 4, t'as fait une fois cet effort, pas insurmontable, mais t'as transpiré ta mère. Ouais, bah là, si tu tentes 4 avec la canicule, tu décèdes, je pense. Mais 4, je sais pas si t'es d'accord avec moi, studio.
dans le niveau 4, il y a un goût en plus qui est pas intéressant. Une sorte de... des trucs qui croustillent et genre il y a un goût un peu genre pas piment, mais un goût genre... pas ouf, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Merci Breakneck pour les 7 mois de Twitch Prime et Sparda pour les 21. Des gros bisous à tous. Merci pour vos resubs. Il y a un goût pas dingue. Et je sais pas ce que c'est en fait. C'est ce qu'il rajoute à partir du niveau 4. C'est une espèce de machin noir là. Une espèce de pâte noire avec des trucs qui croustillent dedans. Putain, j'aurais pas dû faire ça. Et c'est dégueulasse. Ça gâche un peu l'expérience quoi. C'est juste. C'est pas plus fort du coup. Enfin, c'est plus fort. Mais il y a aussi un goût en plus. Et ce goût là, je le trouve écœurant. Je sais pas ce que c'est. J'avoue, c'est un stream animalier. Toi, t'as les yinches. Ouais, ah, les oiseaux, les yinches, JPP quoi. Merci beaucoup à Breakneck pour les 7 mois, ça je l'ai dit. C'est Lamastico pour les 1 an. Ça fait 1 an, c'est ça, donc ça fait exactement 1 an. Merci également à Coil pour les 2 mois, qui nous fait un émoticône. Des bisous. Merci beaucoup. Ouais, goût Javel. Non, je sais pas si c'est goût Javel, mais il y a un goût. Il y a un truc en plus. Et c'est pas dingo. Comme le chien. Du coup, niveau 3, ça reste le plus optimal, quoi. Ah non, mais le chien, c'est... Le chien, il rend fou. T'as ce matin, pourtant, il a été si gentil, je me suis levé à 10h, j'ai fait mes trucs, et je me suis dit, vas-y, je vais, comme j'ai pas assez dormi de la nuit, je vais essayer de redormir. Et il a redormi tout le long avec moi. De 10h30 à 13h, il a redormi. Enfin, cette nuit, c'était horrible pour dormir, il faisait beaucoup trop chaud. Hein. C'est une location, un achat, c'est une location. Tu aurais dû acheter un robot chien, ça aurait été plus tranquille. Bah, j'avoue. Hein. Aussi avec moi... Putain, je sais pas quoi prendre. Depuis que t'es VG, tu mets Harissa, poivre partout, on s'habitue vite quand même. Faut faire gaffe, hein. Le poivre, ça donne des hémorroïdes et l'Harissa, je sais pas. L'Harissa, c'est pas mieux. C'est vrai. Et du coup, ce qu'il gère, tu veux faire un bucket? On va peut-être non, attendre c'est juste que les. Ton emote là, elle me faisait penser à un bucket. Ah oui. J'avais pas compris. Mais oui. Bucket. Le mascara, ça pue la merde. Ça pue la merde. Demain, je crois que je vais à Big Fernand. Oh! Quel bâtard! Big Fernand, putain, c'est bon ça. Bon, c'est cher. Hein. Big Fernand, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas dégueulasse. Putain, mais t'habites près de Blanche-Neige ou comment ça se passe là? Mais oui, moi j'ai. Comment se fait-ce que t'es autant d'oiseaux? Ah, pourtant, si t'habites pas, t'habites pas à Oiseauville. T'es le brasseur. Non, mais bon, voilà. Non, mais mec, on dirait qu'il est sur ton micro en fait. En fait, enfin... Quel voilà, génie. Ils sont juste à ma fenêtre, ils passent devant et tout. Skija, c'est Blanche-Neige, putain. Skija et les 7 nains. T'as mangé des tacos lyonnais ce week-end, ça a tellement rien à voir avec ceux de Paris. Des tacos lyonnais, qu'est-ce que c'est tacos que ça? Tacos de type français ou... Des tacos français avec sauce fromagère dégueu, là? Au secours. Putain, les relous. Tacos avec des gratons dedans. Qu'est-ce que t'appelles tacos lyonnais? Oh, j'ai mangé un kebab nantais, mon gars. Il était incroyable. C'est quoi un tacos lyonnais? Quelle est la différence? C'est un resto, je crois. Ah. Les tacos comme ça, ils sont originaires de Lyon. Bah non, ils sont originaires de la montagne, non? Bon, Lyon, c'est pas trop loin des montagnes, mais... Je crois que les tacos sauce fromagère, machin, c'est originaire des montagnes. Plutôt vers Grenoble et... Ouais, il me semble. Hein. C'est des montagnards. C'est un tacos, mais à Lyon. C'est avec de la vieille sauce fromagère à l'intérieur. Oui, bah comme partout en France actuellement, quoi. Le truc immonde, là. Mais je crois qu'il n'y a vraiment pas plus immonde. Je crois qu'en vrai, je préfère manger de la mayonnaise qu'un tacos sauce fromagère. Ah oh ouais. Voilà. Ouais. Et une mayonnaise légère, les paroles sont fortes. Pas une mayonnaise maison. Et je crois que je préfère une mayonnaise légère qu'un tacos fromagère. Non, non, c'est lyonnais à la base. Oui, non, mais oui. Non, mais... On a tous vu des origines différentes là. De toute façon, ça, je vous le laisse. L'origine. On a tous vu des origines différentes. C'est pareil, les mecs vont te dire, ah, le kebab, c'est allemand, non, c'est grec, non, c'est turc, non, c'est... Non, c'est un grec turc qui est allé en Allemagne. Là, ça s'appelle un grec, c'est chaud. C'est Grenoble.
Bon, j'avoue, de toute façon, on vous le laisse. Hein. Personne n'en veut de cette merde. Tep, 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 tep. Est-ce qu'on peut avoir des trucs bien dans cette run? Ou est-ce qu'on va rester cantonné à rien branler? Oui. Il fait chaud, hein. T'aimes alimenter ce débat? Y a rien à dire, hein. C'est dégueulasse. Que ça vienne de Lyon, de Grenoble, de la montagne ou des plaines, c'est de la merde. Voilà. Je veux dire des choses qui vont pas plaire, hein. Même de Mexique. De quoi? Même les tacos mexicains. Quoi? Même les tacos... Quoi? Mais les tacos mexicains, c'est... Y'a rien dedans. Quoi? Mais parce que t'en as mangé des mauvais. Mais un tacos mexicain, tu mets ce que tu veux dedans. Oh là là. Skijak a testé les tacos chez Chipotle et qui se dit que la bouffe mexicaine, c'est pas bon, quoi. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est... Voilà, c'est un peu triste. Ça me dégoûte. Entendre des propos comme ça. Ça dégouine de partout. Là, voilà, tu vois, les oiseaux sont pas d'accord avec toi, là. Putain. Il faut m'empêcher. Censure. Le mieux du côté de Grenoble, c'est la chartreuse. C'est le même débat que chocolatine et pain au chocolat. Non. Ça n'a rien à voir. Tu as mangé de mauvais tacos lyonnais. C'est dégueulasse, Ilianas. Avoue que tu aimes la bouffe dégueu. T'as le droit, hein. T'as le droit d'aimer manger des merguez avec du cordon bleu dans de la pâte avec de la sauce fromage. T'as le droit, hein. Taco, pas tacos. Ah, le vieux taco. Je suis dans un gros taco, quoi. Ah, oh, merde, putain. Ça me fait chier d'appuyer sur... d'appuyer pour parler. Ah, faut que tu trouves un bouton pratique. T'as pas une souris avec des boutons sur les côtés? Ah, j'avoue. Ouais, mais ça fait page précédente, page suivante, si je fais ça. Page précédente, page suivante, sur quoi? Bah, sur... Internet. Ah, faut que tu les débagnes sur Internet. Et moi j'ai des... Ouais, tu dois pas avoir assez de boutons en fait, parce que les boutons page suivante, page précédente, je les ai. Ouais, j'en ai deux. Mais j'en ai deux autres encore. Tender sauce samouraï, y'a rien de meilleur. Sauce samouraï? Y'a une sauce samouraï au KFC? Non merci, hein. My Fred Tacos. Y'avait pas de sauce fromage, chi. Mais c'est quoi en fait? Explique-nous. On te demande depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était, Ilianas? Qu'as-tu mangé? Exactement. Sauce samouraï avec les tenders. Ouais, je comprends pas non plus. Hein. Les tenders, la seule sauce vraiment viable, c'est la sauce hot, too hot for you, quoi. Mais... Barbecue à la limite. En vrai, le tacos lyonnais, c'est un mythe inventé par les Lyonnais pour exister. Il y a encore de la rivalité entre villes. Hein. La France n'est pas unie. La France n'est pas unie face aux tacos français, quoi. Tout le monde commence à se rejeter la pierre. Après une chiasse générale lors d'une canicule. Ah, t'imagines, là? Te manger un bon gros tacos sauce fromagère le midi, avant de retourner au taf sous la canicule. Sous la canopière. Ah. Imagine, t'es couvreur, là. Tu passes ta journée sur les toits à mettre des tuiles. Et tu te fais un petit tacos sauce fromagère, là. Ton stream divise la France, bah oui. C'était un tacos, la viande de kebab frite dans une galette, mais tout était bien cuit et goûtu, je sentais tous les ingrédients. Ouais, t'as mangé un kebab. T'as mangé un kebab galette, quoi. Plus communément appelé un durum. Non, le durum, c'est le... Non, je sais plus. Si, le durum, c'est galette. Parce que le kebab, t'as pain ou galette. Et galette, c'est pas un tacos, c'est un kebab, en fait. Si t'as de la viande de kebab dedans, c'est un kebab, c'est pas un tacos. Je suis pas le public visé, ça. Putain, les Lyonnais, j'avoue, ce qu'ils inventent pas pour se rendre intéressant, putain. Une pita, mais les frites étaient dans la galette. Ouais, donc t'as mangé un kebab avec les frites dedans, quoi. À quand le kebab sauce magique, depuis toujours, il met les frites dedans et... C'est un kebab, quoi. C'est genre maintenant la canicule, j'ai compris que ce sera genre dans la semaine. Ah ouais, non, là ça commence là. Les tacos, t'en as toujours mangé avec de la viande de kebab dedans. Ah, mais y'en a qui font ça, genre viande kebab sauce fromagère. Ah non, mais là attendez, là vous me parlez plus là.
On vit vraiment dans ce monde-là, là ? Est-ce que j'ai vraiment envie de signer un appartement dans ce monde ? C'est rare la question, ça. Pas quoi, là. Ouais, je crois que j'ai bien envie, ouais. Je crois que j'ai bien bien envie. Salut Speedy. Salut à tous, hein. Merci pour vos félicitations, j'arrive pas à dire merci à tout... à tout le monde, mais je vous lis. Tu es à Cherbourg, il y a une canicule en France. Cherbourg, Hauteville. La ville du nucléaire, la ville où les gens ont quatre bras. C'est Jean-Michel Brady. T'as la réponse demain, croise les doigts. Ah bah, je croise les doigts aussi pour toi. Mais non, j'ai jamais eu de sauce fromagère dans les tacos. Bah c'est pas des tacos que t'as mangé, alors. Bordel. Les tacos. Un tacos français, là, le j'ai... vendu par notamment Otacos et d'autres gammes, c'est une galette de type galette de maïs, comme pour faire un vrai tacos, sauf que dedans, au lieu de mettre des ingrédients mexicains, ils mettent de la sauce fromagère, des viandes, mais ça peut être merguez, cordon bleu, toutes les merdes possibles, et parfois d'autres sauces en plus, genre sauce barbecue, et surtout des frites aussi au même moment. Il rajoute 3 galettes de... Et ça, c'est le tacos français. Tous les autres trucs que t'as pu manger où les gens appellent ça des tacos, c'est juste que maintenant les gens confondent en fait. Mais ça s'appelle, c'est un kebab en fait. Les kebabs de tout temps, il y a toujours eu le kebab dans la galette ou le kebab dans le durum. Enfin, le kebab dans la galette ou le kebab dans la pita. Ça, ça a toujours existé ça. Et c'est pareil, c'est le Coluche par exemple à Bordeaux. Tu vas au Coluche kebab, il met les frites dedans. Tu vas au Capados, il met les frites dedans et c'est dans une galette. Mais ça s'appelle pas un kebab. C'est pas un tacos, quoi. French tacos, c'est un kebab de gros. Bah non, parce qu'il n'y a pas de viande de kebab dedans, en fait. Il n'y a rien qui y ressemble, tu vois. Enfin, perso, je sais pas comment ça a évolué, mais à l'époque, les tacos, il n'y avait jamais de viande de kebab dedans. Quand t'allais dans un resto tacos, c'était soit poulet frit, soit tender. Peut-être que maintenant, il... Voilà. Ah, sauce magique. Non, sauce magique, je respecte. D'ailleurs, vendredi soir, je suis sur Caen... Ça m'a fait une sauce magique. Au tacos, tu peux choisir ta viande. Oui, mais y a pas viande de kebab, si. Ça existe maintenant. Oh, je pense que oui. Hein. Ah, le pire, c'est que maintenant, ils font des trucs, genre, t'as le kebab avec de la raclette dedans, plus dessus, plus fromage gratiné, plus... Oh. SVP, quoi. Le tacos français, la galette, c'est une pita, c'est pas une galette de maïs. Ouais, bon... Ouais, non, y a pas le viande de kebab. Ouais, voilà. Si, ça se fait. Ouais, mais peut-être pas chez Otacos. À Bordeaux, Anatole, près du Coluche, c'est 5 fois mieux. Minimum. J'ai pas testé beaucoup de kebabs sur Bordeaux. À part le Capados, le Coluche et quelques trucs de merde, genre Forum Food, Fuck Kebab. Truc du genre. Tacotac. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Oh, les oiseaux, mec, on dirait des monstres. Ça fait crisser ton micro. Ah, mon micro, on a marre. Mais quel enfer! Mec, je sais même pas comment tu fais toi-même en fait. Moi, je pèterais un câble en fait. Non, comme vrai, le chien. Vrai, j'aime bien les oiseaux. Je préfère les oiseaux que. Que les chiens. Moi aussi. Non, pas que les ça chiens. Ça parle tout le temps de bouffe ici. Mais non, c'est faux. C'est des burritos plus ou moins. Les tacos, c'est dans des trucs. Du genre Doritos là. Hein? Oulala. Oh là, les Doritos. La culture culinaire ce soir est un peu en PLS. Non, mais si vous voulez, on peut refaire toute une éducation de cuisine mexicaine ce soir, hein, y a pas de soucis. Hein. Mais il va falloir arrêter de dire des conneries. Bah, du coup, j'ai un retour en direct dans mon micro, ça fait chaud. Ah ouais? Mais tu l'as fait comment? J'ai le son de mon PC via mon micro. Et je peux choisir la balance entre m'entendre et entendre le... Et tu l'entends en décalé ou pas? Non, c'est en direct. Ah, nice. Merci beaucoup, Pollux, pour les 2 ans de sub, des bisous, 2 ans. De sub, Pollux, des bisous et merci à Petite Méta qui a offert un sub à Stéphane Plaza, le best. Ouais, Stéphane Plaza, hein, clairement, on lui chie dessus. Hein. Jamais son agence a répondu et. C'est pas grâce à lui. Hein. Y a des crabes dans votre film ? Adana, c'est le top du kebab à Bordeaux. Le Adana. On l'avait pas fait le Adana ? Ça me rappelle un truc, le Adana. Non, le top du kebab à Bordeaux, c'est le. La Zizounette. Je connais Dana, c'est tout. La tribu. Le Azizounette sur Bordeaux. Ah, que je n'ai pas pu tester. Ah, t'as pas testé le Azizounette. Un peu cher, mais vraiment bon. D'ailleurs, lui-même n'appelle pas ça des kebabs, il dit c'est des sandwichs sandwich turcs. C'est vraiment très bon et genre fait sur place, sur commande, quoi.
au Capu. Le Adana, putain, mais je dois connaître. Ou alors c'est que les gens en parlaient tout le temps, je sais plus. On décale le streaking à cause de la chaleur. C'est l'éducation nationale ici. Ouais, non, on l'a jamais fait. Le Adana, on l'a jamais fait. Pourquoi ça me dit quelque chose hein? Ouais, c'est en face du marché des Capucins. Donc c'est dans la... Comment ça s'appelle? C'est sur le cours de la Marne? Non, sur la place des Capucins. Oui, il y a un CFC juste à côté. Ah là, il y a le marché, j'avoue. Ah oui, non, j'ai jamais fait ça. Mais peut-être qu'on le voyait quand j'allais à la gare, je sais pas. Peut-être que je suis déjà passé devant, je sais pas. T'es peut-être passé devant, mais... C'est un peu caché quand même. Hop, la tête de crampu, et on se tire. La meilleure bouffe, c'est quand tu fais toi-même. Non, non, mais genre, la zizounette, justement, le mec cuit la viande, comment dire, il a pas de broche, tu veux, il a coupe lui-même la viande et il a cuit, enfin, il a fait revenir à poil, grill, enfin, cuit la viande, quoi. C'est pas une broche qui tourne toute la journée, quoi. Le HFC, c'est le best. Non, non, mais on va pas revenir là-dessus. Ah, si vous allez à Bordeaux un jour, allez au HFC, prenez un wrap batata poulet, vomissez. Avec supplément fromage. Oh, non. Non, non, mec, genre, jamais ça. Pour que ça coulisse. Que ça coulisse. Prenez ça, vomissez un petit coup, et voilà. Bravo. Ouais. Eh, t'as déjà vomi dans un HFC. Mec, j'ai toujours eu mal au bide. HFC, ça m'a toujours fait mal au bide. Parce que voilà, t'es... Parce que c'est dégueulasse, fragile, en fait. T'es fragile. T'es fragile. C'est ça, j'ai une flore intestinale fragile. Non, mais cuit pas la viande sur une broche, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Ten Shirok, pour 3 mois de Twitch Prime. Le badge vert clair. HFC, c'est nickel pour le transit. Ouais, c'est ça. HFC, si t'es constipé, t'y vas, c'est bon, quoi. Par contre, si t'as la chiasse, c'est pas le remède, quoi. Un McDo te semble de la grande cuisine? Bah, en vrai... J'ai honte de le dire, mais McDonald's, c'est de la grande cuisine comparé au HFC. Hein. HFC, c'est, je sais ouais, pas. Tout est relatif. HFC, on est quand même sur une sorte de fast-food bordelais ultra encensé par tous les étudiants bordelais, où jamais, comment dire, la recette n'est la même. C'est-à-dire que souvent, des étudiants vont se dire « Putain, mais non, mais la recette, elle a changé, là. » Ils ont changé la recette. Non, non, mais c'est juste que genre c'est jamais pareil, en fait. Des fois, si t'as de la chance, tu vas avoir la salade qui arrive aujourd'hui. Si t'as pas de chance, c'est la salade il y a 2 semaines. Le fromage, ils doivent changer de fournier, ils doivent changer de marque de fromage à chaque fois qu'ils vont chez Métro. Pareil pour la bidoche, etc., etc., quoi. Alors, le poulet, c'est toujours le même. Bien dégueulasse, qui croustille, hein. Vous savez, c'est comme si vous alliez au KFC. Veille, hein. Et que quand tu tapes dans le tender, il... Vous voyez, c'est... Comme ça, ça croque. Ça raille un peu les dents, quoi. Merci Tel Chiroc, le HFC c'est deg, surtout celui de Talence. Non mais tous. Et merci pour le Twitch Prime et merci à petite méta qui offre un sub à Kebabs Gaming. Kebabs Gaming, ça c'est stylé. Va être heureux. Les produits tombés du camion. Ah, très belle vidéo de. Très belle vidéo de y penser hier soir. Sur les contrefaçons et aussi sur les trucs tombés du camion. J'ai regardé ça, je trouvais ça intéressant. Merci Lumsiol pour les 17 mois, des bisous, re-bienvenue Lumsiol, merci. Ça fait bien crisser les dents. C'est vrai que ça varie de ouf entre les restos. Ah non, mais HFC, c'est... Après, HFC, si vous allez à HFC sur Bordeaux, vous mangez le meilleur fake KFC de Bordeaux. C'est-à-dire qu'à côté d'HFC, il y a FFC et CFC. Ouais, il y a pire, en fait. C'est de la merde, mais il y a bien pire. Il y a CFC et FFC. C'est de la grande cuisine, je sais plus c'est quoi la tier list, mais je crois que le F il est tout en bas et que le C il est juste au-dessus. Et après c'est HFC. Et bien au-dessus. Ça, mais KFC. À Paris il y en a des FC mon cul. Ah, mais bien sûr qu'il y en a à Paris des FC mon cul. Il y en a même à Caen maintenant, il y en a partout. Hein. Ils ont compris. Hein. Les mecs qui font des FC, ils ont tout compris. Merci beaucoup Oxyboc pour les 3 mois. Hein. Le Twitch Prime, merci. N'hésitez pas à y penser. Balancez des thunes à la SGDQ, mais les Twitch Prime. Hein. Les gros connards. Non, en plus, je crois que les Twitch Prime, vous pouvez les balancer French Roast Stream ou même House of, enfin, sur la chaîne de SGDQ, et normalement, ça rebalance pour l'événement. Dans tous les cas, moi, je ferai mon don, comme d'habitude. Voilà, ça SGDQ, ça trash talk le KFC.
En même temps, KFC est bien derrière aussi, j'ai toujours été malade chez eux. Eh bah oui, bah Cassandras, justement, c'est le prochain point sur lequel je voulais arriver. Si vous détestez le KFC, déjà, si vous trouvez que ça donne la chiasse, que vous avez pas ça, etc., bah n'allez jamais au HFC, ou au FFC, ou au CFC. Vous allez mourir, en fait. Vous allez jamais vous relever. Par contre, il y a que le HFC pour être ouvert à 4h du mat. Ah bah ça, oui, non mais... En rentrant de la plage, un petit H... La plage, très belle boîte bordelaise. Hein. Toujours des grands moments. J'ai pas de commentaires cette année, non. Si j'avais dû avoir un commentaire, ça aurait été ce soir, je pense, Portrait of Ruin, Castlevania, j'aurais sûrement postulé. Mais là, non. T'as pas des trucs cool, là? En vrai, ils ont du fait coup, AFC et c'est encore pire. Ah, oh, c'est quoi AFC? Il y a AFC maintenant? C'est Arles Fried Chicken. Oh. Arles. Arles. Il veut dire quoi le H de HFC? Oh, je sais plus. Adour. C'est Adour, c'est ça. Parce que c'est des Indiens, je crois, hein, qui tiennent le truc. Je crois que le mec s'appelle Adour, et du coup, c'est Adour Fried Chicken. Moi, quand je suis arrivé sur Bordeaux, je pensais que c'était Halal Fried Chicken. Et en fait, non. Je crois que c'est loin d'être Halal. Hein. Tu prends le CFC low cost. Ils ferment jamais, l'autre jour ils ont pris du lacrymo. Hein ? Oh putain, s'il m'avait balancé un laser, c'était la fin du monde. Attends. Dans mes HFC, il y en a partout. Hotwell's Fried Chicken à Bristol. Non mais bien sûr, mais genre... C'est pas l'original. Celui de Bordeaux, en fait, il est... Le HFC de Bordeaux, il y en a plusieurs dans Bordeaux, en fait. Il y a genre 3 HFC, quoi. Il y en a ils ferment jamais, les... l'autre jour. Ils ont pris du lacrymo pendant une manif gilet jaune, ça les a pas perturbés. De quoi? J'ai rien compris. Bah en gros, il y avait le HFC, il y avait une manif. Ouais. Ah oui, ils ont pris des lacrymos et ils continuaient. Ils continuaient de faire du machin. Du coup, bon... Bah d'un côté... Sans doute, ils avaient un peu le goût de... D'un côté, quand tu vas au HFC à Bordeaux, il faut pas t'attendre à être servi dans une moyenne de minutes. C'est-à-dire que c'est un peu à la gueule du client. C'est-à-dire t'arrives... Les potes, ils sont servis... Les potes des cuisitos, ils sont servis en 5 minutes. Et toi, si t'arrives et que tu demandes 3 wraps poulet, tu peux attendre une demi-heure, quoi. Des fois, t'attends une demi-heure et tu repars avec ton sachet froid. Merci beaucoup, Boule. Ouais, ça va enfin être... ça va enfin être le pied. Enfin. Encore une petite semaine à terminer, là. Jeudi, faut signer. Et une fois que c'est signé... Je m'auto-félate. Oh merde. C'est important. Tu es très souple. Poulet goût gazeuse. Ah merde. Ils ont changé la recette. Rien de tel qu'un bon petit HFC pour continuer ta manif gilet jaune. Hein. Ça, je peux te dire. Hein. Bah là, avec ça. Je pense que tu peux foncer dans les camions de flics avec ça. Oh. Ils balancent pas des pavés à Bordeaux, ils balancent des wraps batata poulet, quoi. 3 policiers blessés suite à un lancer de frappe. Tiens, regarde, tu veux tester bon, ma vitre anti-casse, balance le wrap, pan, ça passe à travers, ça ressort de et l'autre merde. Côté, ça fait un trou dans le sol. Putain, il y en a qui mangent ça. Ouais, supplément fromage pour mieux pour que ça coulisse mieux. C'est immonde, quoi. Un appartement qui répond aux critères initiaux, exactement. 69 mètres carrés, deux chambres séparées par une salle de bain et un couloir. Alors les chambres sont quand même assez proches, mais disons qu'il y a deux murs minimum entre les deux chambres, plus un couloir. Donc en fait, vous avez la chambre, vous avez genre une porte, un petit couloir, une autre porte, l'autre chambre. Sur Paint. Ouais mais si je fais le plan, ils peuvent limite le retrouver, tu vois. Du coup, Mercado Mio. Et genre il y a... Comment dire? Ah, oh, je sais plus. Enfin, en gros, je sais plus ce que je voulais dire. Mais il y a genre une salle de bain. Il y a un L. Il y a un couloir en L et il y a une salle de bain. Sinon, à l'endroit du L pour former le L, une salle de bain. Les streams jeux de société IRL, la rédemption, le rattrapage et seconde partie soirée, c'est demain, c'est ça? Ouais, c'est exactement demain. Oui, c'est évidemment. Maintenant que c'est en signe jeudi, donc ça commence demain. T'es en train de manger, perso, les McDo t'ont toujours fait mal au ventre. Every time, bien que des food conserve pire ever, tu te foutais le bad. Mais il y a des gens qui sont totalement intolérants à la junk food.
Moi perso, le McDo, je crois que ça m'a jamais fait mal au ventre. Burger King, ça m'a déjà fait mal au ventre. Five Guys, ça m'a jamais fait mal au ventre, mais ça m'a fait mal genre au cœur. Enfin, t'es pas bien. T'as mangé trop gras, t'es. Tu sais, tu te sens. Tu te dis là, si je tape un sprint, je suis pas bien quoi. Le Dark Bull. La Death List, tu utilises que quand ça va bien. Que quand c'est vraiment facile quoi. Parce qu'avec The Lost, c'est chiant sinon. Il reste quoi dans la rédemption? Dust Force, c'est tout. Oh, les oiseaux là. Ouais, j'espère qu'on pourra bientôt faire Moving Out. Ça sort quand, Moving Out? Y a pas de date exacte. Y'a pas de date exacte, c'est toujours en sous. Ouais, malheureusement. Moving Out, le jeu de déménagement. Hein. Vivement qu'on le fasse IRL. Hein. Faut que je prenne mes billets pour quand? Ils font batata, poulet, camembert. Non mais ça, ils ont toujours fait les plats au camembert chez HFC. Le seul truc, c'est que bon, voilà. Personne demande ça. Ouais, personne demande ça, donc ils ont pas le camembert. Five Guys, ça fait mal au porte-monnaie. Ah oui, ça par contre, oui. Ça, Five Guys, ouais, ils sont... Ouais. Ouais, mais clairement, ouais, Five Guys, tu vois, c'est... Je sais pas, je préfère, limite, pratiquement jamais aller au fast-food, mais quand j'y vais, je prends un Five Guys, tu vois. Parce que genre, je sais pas, les gens qui font un McDo par semaine, bah... Je me dis, en vrai, c'est pas... Je sais pas, c'est pas dingue, quoi. C'est le problème des... Autant ne pas faire un McDo par semaine et faire un Five Guys par mois, t'es gagnant. Hein. Ou limite, tu peux faire un Five Guys toutes les deux semaines, c'est mieux qu'un McDo par semaine. Ouais. Et le mieux reste de trouver un truc de substitution au fast-food. Enfin, genre moi... Le mieux, c'est de manger healthy, quand même. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça, un truc de substitution au fast-food, mais qui reste quand même une sorte de resto qui va vite. Genre trois fois plus de piment, pour moi, c'est le truc parfait, tu vois. Parce que ça, c'est de la viande, des légumes, du bouillon, des pâtes. Bon certes, ça doit pas être ultra healthy parce qu'il y a plein d'huile et de trucs du genre. Mais au moins, c'est pas, tu manges pas un Five Guys. Tu vois. Et voilà. C'est limite moins cher que Five Guys. Quoi. Niveau fast et niveau... Bah niveau fast, oui, faut arriver à bonne heure. Ou alors t'as vu, là, samedi, quand on y allait, y avait pas grand monde. Ouais, c'était un samedi midi. J'avoue. Il y a le Big Fernand en mode fast-food LC. Wow. Big Fernand, en vrai, il est bien, mais... Moi, je prenais le grand menu, t'es bien quand même après. Hein, ouf. Le mélange des piscagins de Five Guys, c'est top tier, ouais, c'est trop bon. Il y a que les shakes qui t'ont toujours satisfait. Ah, les Shake Shack. Les Shake Shack, ça n'existe pas en France, on est d'accord. Ah oui. Ça a l'air trop bon, Shake avec, Shack. Steak and Shake. D'ailleurs, pas de mon boulot, il y a un Chicken Shake. Je crois que c'est le problème. C'est pas les mêmes marques. Enfin, en France encore, t'as testé à New York et Londres. Ah, clairement, Shake Shack, faut que ça vienne en France, ça a l'air stylé. Il y a Carl Junior aussi. Okay, devant, ouais. Carl JR. Carl JR. Ah, puis putain, je suis allé à Montpellier, mais j'ai pas testé Popeye quoi. T'es allé à Montpellier? Bah, il y a longtemps là, vers Noël. Mais j'étais allé à Montpellier, oui. J'aurais pu tester Popeye quoi. Il aurait pu. C'est quoi, c'est Popeye les... Louisiana Fried Chicken quoi. Ouais. C'est le poulet, c'est bien ce que je pensais. C'est les tenders. C'est pas compliqué la bouffe assise, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il y a plus de personnes en surpoids qu'en bonne forme. Bah, déjà, ça coûte cher et c'est long à préparer. Bien souvent. Enfin, ça nécessite plus de skills. Cuire un petit poisson, etc. Tu vois, c'est toujours plus chiant, quoi. Wendy's aussi, c'est ouf. Ah, Wendy's, ça a l'air quand même bien gras. Hein. Le Baconator. Le camion qui fume. Ouais, après, les bons trucs de burger de façon artisanale, il y en a plein. Et j'ai découvert un truc qui est pas mal sur Paris aussi, c'est Factory & Co. Factory & Co, c'est super bon. Factory & Co, ils ont des putains de trucs trop stylés. Merci Maxou pour les 13 mois de Twitch Prime. Ils ont genre des desserts trop stylés et puis leurs burgers, ils sont trop bons. Tu choisis ta viande. Donc tu peux mettre genre poulet frit dedans. C'est vraiment trop bon quoi. Leurs frites sont bonnes, bah, tout est bon en fait. Ils ont même des petits baguettes au jalapenos là. Un régal. Oui. Comme voilà un petit peu le chest. La cabane à Bagère. C'était où ça la cabane à Bagère? C'était à Bordeaux. Oui, c'était rue Sainte-Cath. Ah, mais c'est pour ça qu'on peut... C'est genre quand t'approches de la Fnac par là, je crois. La cabane à Bagère. Ah, faut aller plus loin que le Burger King et que le... Il faut aller plus loin que le Burger King et que le KFC, quoi.
Je me souviens qu'à chaque fois qu'on passait devant, on disait... Qu'on disait la cabane à Bagel ? Ouais. Oui. On n'est pas passé souvent... Même des fois, en cours, on disait la cabane à Bagel. Même là, tu vois, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit parce que je m'en souviens. On parle de souvenirs. Aïe. Tu as déjà testé le Goku ? Ils sont censés faire les meilleurs burgers du monde Europe. Oula. Non mais ça, moi j'y crois jamais, les meilleurs trucs. Le meilleur. Le meilleur, c'est celui de ton cœur. Mais j'ai jamais testé, non, par contre. La cabane à Bagel, c'est bon. J'en doute pas, hein. Les Bagel, c'est vraiment bon. Hein. Un petit Bagel saumon crème fraîche. Enfin, crème fraîche, genre boursin, mais tu sais, maison, là. Je sais pas comment on appelle ça. Fromage frais, je sais pas. C'est pas du fromage frais. Fromage, ciboulette, saumon, concombre. Trop bon, hein. Tout pour les Bagels. Hein. Le meilleur burger de France 2018, c'était le Jean Burger à Limoges. Ah, ça tombe bien, faut que je retourne à Limoges. Ramener un chien. Ouais. Tiens. Tu dois retourner à Limoges, là. Pour aller redéposer un truc. Quelle horreur, n'empêche les gens qui abandonnent les chiens, quel enfer. Je suis pas assez cruel pour être une personne du genre. Chez toi, le meilleur kebab de France décerné par le site fritkebab.fr. Ouvert par le kebab lui-même. Kebab.fr. T'y vas demain si tu veux. Tu le déposes, garde Austerlitz à 8h. Allez. Le stress de la vie du travail n'aide pas car on cherche à compenser. Le sexe c'est bien, mais c'est plus difficile de se faire plaisir en couple physiquement après une journée de travail physique crevant que de passer au McDo ou de commander via un site de livraison à domicile. Hein? C'est chaud ce que tu dis là. Tu compenses le sexe par la bouffe? Non, il compense. Le stress, journée non merde. Pas par le sexe, mais par la bouffe. Ah, oh, bah ça dépend des gens, ça je pense. Hein. Il y a aussi des gens qui ont découvert la masturbation. Oh, le Coluche, il est bon, mais c'est pas le meilleur kebab du monde, faut arrêter. Subway, y'a rien de bon dedans. Pff, ouais, en vrai, si. En vrai, Subway, si t'essayes de faire un truc healthy, ça peut être ok. Tu vois, genre Subway, tu prends jambon de dinde, là. Prends dinde et tu mets juste des crudités ok, genre salade, tomate, oignon, concombre, et c'est bien, tu vois. Mais le problème, c'est que les gens, quand ils vont au Subway, ils prennent genre raclette, sauce barbecue, avec une viande en mode full sauce, là, oh, teriyaki, machin, là, ouais, tout ça, c'est dégueulasse. À la Réunion, l'une des légendes locales, c'est la pêche au requin, avec comme appât des chiens. What the fuck? Quel enfer. C'est vraiment une légende ou ça a déjà existé? Dans ce cas, va pas au Subway, le sandwich tu le fais toi-même. Non mais bien sûr, mais tu sais, des fois, t'es dans ta vie, tu vas au Subway, ça arrive, tu vois. C'est genre, j'ai dû aller 10 fois au Subway dans ma vie, je regrette pas. Ta-ta. Vous pourrez manger un KFC en faisant du sexe. C'est dangereux. Dangereux pour le cœur. Il y en a de moins en moins des Subway, bientôt ce sera collector. Je m'en rends pas compte. Sur Paris, il y a tout partout. Déjà que ça existait pas quand t'es jeune. Subway? En France. Ah ouais? Je crois. Ouais. Ça existe depuis quand? Il y a pas un truc, il me semble que c'est ça. Non, non, c'était. Moi, je comprends. Bah, BK ça existait pas quand t'es jeune, ouais. Ça a existé, puis c'est parti. GG. Merci, Guidoric, pour les 9 mois. C'est le bébé qui pleure. Des bisous. Les tacos pullulent alors qu'à choisir Subway supérieur à diarrhée, supérieur à tacos. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. T'es allé qu'une fois au Subway car t'as oublié de réserver le resto pour un Saint-Valentin, c'est peut-être pour ça que mon avis est biaisé. Ah merde. Si c'est cher, Subway, bien sûr.
La sauce aigre-douce. Ah non, le pire truc au Subway, c'est la sauce à l'oignon. Tu la digères pendant 3 jours. Tu pues de la gueule, là. C'est horrible, hein. GG, c'était la 528ème run. J'espère que vous... Bah non, pas du tout. Quel arnaqueur. Ah bah attendez, on était à combien de runs? Oui, 527. On est juste sur The Lost, là. J'arrête de vous arnaquer, j'arrête. On avait fait une super nouvelle, Demonus. Très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle qui devrait être confirmée maintenant par la signature jeudi.